Je purifie mes mains. Du sang de l'agneau. Du sang de l'agneau. Maintenant fais comme moi, comme ça. Dis avec moi, ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Toute personne. Toute personne de la maison de mon père. De la maison de mon père. Toute personne. Toute personne de la maison de ma mère. De la maison de ma mère. Qui avait proféré. Qui avait proféré des paroles. Des paroles négatives. Négatives. Oh Dieu. Oh Dieu. Sur mon cordon. Sur mon cordon ombilical. Ombilical. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Toute personne. Toute personne de la maison de mon père. De la maison de mon père. De la maison de ma mère. De la maison de ma mère. Avait proféré. Avait proféré des mauvaises paroles. Des mauvaises paroles. Sous mon cordon, ombilical, je déclare par le feu, par le feu, par la force, ces paroles sont sans effet, sans effet. Commence à prier, par le feu. Comment ça toi qui avais prononcé ces effet, toute malédiction proclamée contre ma vie, sans effet, par le feu, j'annule toute mauvaise parole, j'annule, mauvaise parole, sans effet. Maintenant, adoration, enfant sonore. Au nom de Jésus, maîtrisez-la. Je détruis. Regarde, il y a sept esprits. Je détruis. Je vais commander. Il y a un qui a commencé à s'agiter. Il reste encore six. L'esprit va parler. L'esprit va parler en créole parce qu'il vient de l'eau. Il faut la maîtriser. C'est un seulement qui est dérangé. Il y a encore six qui n'ont même pas encore bougé. Je vous ai dit, il y a des personnes que vous n'allez pas reconnaître. Ceux qui n'ont jamais fait vont commencer à le faire. Parce que cette action, tu es dans cette action. Maîtrisez-la. Et il n'y a que c'est un seul qui s'agite. Au nom de Jésus. Matthieu, ils sont sept esprits. Sept. Il y a dit sept. Il n'y a qu'un seul qui a commencé. Je vais commander. Regardez, le deuxième va commencer à s'agiter. Je t'ordonne maintenant. Maintenant. Go. Le feu. 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 Maîtrisez-la. Matthieu, le troisième. Par le feu. C'est un serpent. Par le feu. C'est un serpent. Par le feu. Regardez comment va commencer à faire. Par le feu. Ce qui se passe. Je prie que Dieu ouvre vos yeux. Par le feu. La salle là. The place. N'est pas par le feu, il y a des singes qui sont descendus. Le ciel est ouvert. Je vois comme le feu. Je vois comme des colombes relâchées. C'est le troisième esprit. Il s'est manifesté comme un serpent. Le quatrième, il vit dans l'eau. Il est une partie homme, partie poisson. Par le feu, tu la libères, tu la libères, le feu, le feu. Apportez-moi de l'eau. Au nom de Jésus, apportez-moi de l'eau. Par le feu, disposez-vous. Toute mauvaise parole, les esprits de famille vont s'agiter. Par le feu, toute mauvaise parole est brisée. Est-ce que vous l'avez maîtrisé? L'eau qui va la toucher, ça sera fort. Quand un esprit sort de l'eau, when the spirit comes from water, pour le combattre, il faut de l'eau. New water. Maîtrisez-la. Manifestez-la. Je vous entends de partir. Comment vous dites-vous? C'est devant maintenant. Manifestez-la. Attrapez-la. Manifestez-la. Maintenant. Manifestez-la. Je t'entends de partir. Au nom de Jésus. Tu viens de l'eau. Retourne. Sa vie ne t'appartient pas. Le feu, 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 le feu. Tu es neutralisé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bring it up. Par le feu. Toute mauvaise parole est sans effet. Par le feu. Disposez-vous. Par le feu. Le cinquième est logé dans le dos. Par le feu. Il a la taille comme un pygmée. Il marche à la renverse. Par le feu. Mets la main dans le dos seulement. Il est logé là. Dans le dos. Maintenant. Fire for fire. Fire.
Fire for fire. Fire for fire. Fire for fire. Tu libères maintenant. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Tu la libères. 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 Tu la libères aujourd'hui. Par le feu. Tu es paralysé. Le feu, 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 le feu. Tu libères sa vie. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu es affaissé. Aujourd'hui, tu es affaissé. Aujourd'hui, tu es affaissé. Par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu libères sa vie. Action à l'éternel. Action à l'éternel. Action à l'éternel. Au Père miracle. Au Père miracle. Il est paralysé. Il ne reviendra plus jamais. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Le septième, c'est bien. Attrapez ses pieds. Au nom puissant de Jésus, sécurise, sécurise. Je commande au septième esprit impur. Tu libères sa vie. Tu viens des montagnes. Tu es paralysé aujourd'hui. Tu ne reviendras plus jamais. Au nom puissant de Jésus, opère miracle, action à l'éternel. Agis au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Focus. Quelque chose va se passer. Something will happen now. Before God. Touch. Esprit de famille, je vais te dire. Tu m'entends? Nom de Jésus. Go. Pas. Je commande. I command you to go. Tu es paralysé. Tu m'entends? You are paralyzed. Tu es paralysé. Tu m'entends? Touch. Fire for fire. 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 Left. Mathieu. Yes. Mathieu. Yes. Il y a une famille ici. There's a family here. Ils ont perdu un frère. They lost a brother. En réalité, ce frère mystiquement a été tué. Mystically, the brother were killed. Et l'esprit de cet homme. The spirit of that person. Plane encore sur la famille. Just running around the family. Plane encore sur la famille. Running around the family. En fait, cet homme. That person. Dans le monde de l'esprit. In the realm of the spirit. Comment il est mort? The way he died. Il n'est pas mort le jour. He didn't die the day. Que tu avais prévu pour lui. God purpose for him. Ils ont raccourci ses jours. Then shortcut his days. Et son esprit. And his spirit. Et un esprit de vengeance. A spirit of vengeance. Et plane encore sur la famille. Asking over the family. Romy are on the family. Romy are on the family. Qui a perdu un frère du nom de Zoku? Who lost a brother in the name of Zoku? Zoku Hug. Zoku Hug. J'attends Zoku Hug. I hear Zoku Hug. Mets-toi comme ça. Come here. Alléluia. Il est qui pour toi? Who is for you? Il est qui pour toi? Who is for you? Il est qui pour toi? Il vient après toi. After me, my junior brother, Jimmy. Si son esprit n'est pas en paix, if his spirit, la mort va pas chercher sur vous. Les gens vont aller même plus jeunes que lui. People will go younger than him. But il a un esprit de vengeance actuellement. He has spirit of vengeance now. Il a un esprit de vengeance. He has spirit of vengeance. Quand on est en train de faire des prières de famille, when you are doing family prayer, il faut pas jouer. Don't joke. Parce que tu es capable. God is able de ramener le prophète au passé, to bring a prophet au présent, même au futur, and the present and vous future. Expliquer pourquoi la mort travaille toujours dans votre famille. Why death work in your family? Il n'est pas bien parti. It didn't go well. Il n'est pas bien parti. It didn't go well. Et sa mort là, ça t'a beaucoup touché. It took you so much. Je veux quelque chose. Bless some people for me. Enfant sonore, merci. Low the sound. Laisse simplement tes mains. Just the sound. Get. Just grip, move. Get. Give away. Get. Give away. Esprit de famille. Family spirit. Esprit de mort. Spirit of death. Je te loigne de leur famille. And cast you away from the family. Go. Je commande. I command you. Go. Go. Par le nom puissant. The mighty name of Jesus. C'est un esprit très fort. Je comprends. Strong spirit. Je te soumets. I submit you. 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 Retire-toi de la famille. Go away from family.
Retire-toi. Go away from the family. Retire-toi. Go away from the family. Retire-toi. Go away from the family. Retire de leur foyer. Go away from the family. Tu te retires de leurs enfants. Tu te retires de la famille. Tu as un esprit de vengeance. You have a spirit of vengeance. Elles n'ont rien à voir avec toi. Tu te loignes. Go away. 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 Tu sécurises ta vie. I secure your life. Shabalaba. Fire. I see like a 11 May 2005. Encore papa. Put your hand. Come after you. Your two hands. Je sécurise maintenant. I secure your life. Par le nom de Jésus. The mighty name of Jesus. I see a graveyard before me. The graveyard. Mais il n'est pas content. He's not that, he's not glad at all. L'Éternel, avec autorité. With authority, je commande. I command à tout esprit de mort. To every spirit of death. Qui utilise son visage. Using her face. Mokata satoro bochete. Ribosid bao shabanaba ande. Bababos. Ribosid baba. Kababos. Kababos. Dis-moi. Tell me. Assis. Tu peux parler avec moi? Ça va? Est-ce que tu es moi? Est-ce qu'il connaissait Emmanuel? C'est mon petit frère qui est décédé en décembre. Emmanuel, c'est votre petit frère qui est décédé en décembre. Parce que j'entends qui parle, qui dit, c'est moi qui ai The spirit said that he's tant que mon cœur n'est pas apaisé là, as long as I'm not cool, I will continue. Emmanuel, il est mort à quel âge? Emmanuel died when? Il est mort à quel âge? Jeune? 34 ans. 34 years. On va chasser l'esprit. You are going to cast away the spirit. Attrapez vos mains. Lève ta main là. Just raise your hand up. Par le sang de Jésus. Je vais libérer, suivez-les, je vais libérer une nouvelle. Follow, watch out. Maintenant. Now. Une nouvelle couverture les habite. Et nous. Je commande. I command now. La mort prématurée. Prématuré. L'esprit de vengeance se loigne de la famille. Go away now. Se loigne de la famille. Go away now. Se loigne de la famille. Go away now. Go away now. Fire. 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 Go away. Retire-toi. Go away now. Par le nom puissant. Mais maintenant, le nom de Jésus. I submit, and I commit to the mighty name of Jesus. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Mathieu. Yes. Mama. Yes. Tu as bien fait de le faire venir. You knew where to come. Faut lui dire. L'argent il a touché, il n'a rien touché. The money you touch. Faut lui dire. You are not touched. You are not. Aujourd'hui c'est quelle date? Today which date? 27. Verset. Ce que Dieu va faire pour toi. What God will do for you. Tu ne pourras pas imaginer. You cannot. Dieu va te bénir financièrement. God will bless you financially. Tu vas arriver un temps dans une vision. I see the vision. Je te vois en train d'être investi dans l'immobilier. Invest in immobilier. Et comme construction. The building. Dieu va te bénir. God will bless you. Et tu seras incontournable. You are in me. Tu vas avoir beaucoup d'argent. You got a lot of. Mais pendant qu'on est en train de parler. And you are talking. Dans la vision. The vision. Je suis en train de le voir emprunter un chemin comme s'il est en train d'aller vers Dabou. I see him going like away like Dabu. Et vers Dabu, je vois comme pancarte, je vois Tiagba. I see Tiagba. Je vois Tiagba. Tiagba. Tiagba, c'est quoi? What is Tiagba? Hein? Mon village natal. C'est ton village natal. C'est ton village natal. My village, he said. Mathieu, faut dire à cet homme. I said to that man. L'argent que Dieu va donner à cet homme. Money God will give to you. L'argent que Dieu va lui donner. Money you will receive. Tu n'es pas encore touché. You are not yet touched. Dans peu de temps. Few time. Immobilier. In the building, tu auras beaucoup de you got a lot of money. Tu seras propriétaire. You be owner. Tel est ton projet. This is et Dieu va te donner beaucoup d'argent. God will give me a lot et of tu money. Vas l'accomplir. And you fulfill tu it. N'as rien encore touché. You are not yet touched. Lève les mains, je prie pour toi. Raise your non, maman, rends la gloire à Dieu. Give glory to the Lord. Pendant qu'il regarde dans sa peau, as I look at his palm, pourquoi il voit un prénom Audrey. As I hear the name Audrey. Hein? Ma première fille. Ta première fille. First daughter. Audrey, c'est ta première fille. Je la connais. Tu as quitté où pour venir? Tu as quitté où? Where do you come from? Hein? En Italie. En Italie. C'est ton premier culte aujourd'hui.
Faut dire au monsieur. C'est tout le monde. Sa fille Audrey là. Est-ce que t'as Audrey? Je la vois habillée. Assim dressier. Toche avocate. Like a lawyer. Elle va avoir trop d'argent. She got a lot of money. Tu as mis une fille d'étoile au monde. You a daughter of star. Son intelligence va vous surprendre. His smartness. Mais c'est comme ça que Dieu l'a créé. God created elle avait pris sa maturité. She is so mature. Et elle ne fait pas son âge. She doesn't make her age. C'est comme ça Dieu l'a créé. God created him parce qu'elle a la réaction de quelqu'un. Elle n'a pas son âge. Elle réagit comme une grande personne. C'est ça. Is that it? Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez encore fort. Ta maman est où? Where is your mother? Décédée. Ta maman est décédée. Ça fait combien de temps? 2017. 31 octobre 2017. Ta maman a beaucoup prié pour toi. Your mother prayed a lot for you. Faut même pas t'inquiéter. Worry not. Non, faut pas t'inquiéter. Worry not. Souvent tu te dis, j'aurais pu faire beaucoup de choses. You sometimes say, I could have done Dieu qui l'a better than her. God took care like elle a beaucoup prié pour toi. She prayed a lot for you. Elle a fait une très forte alliance. She make a strong covenant. Une forte alliance dans une église. In a church. Je sais pas, il la voit à côté, mais elle habille en blanc. She was white. Quand il voit à l'église, elle habille en blanc. But when you go to church, hein? Il s'habille en blanc. C'est. Elle a beaucoup prié pour she toi. Pray a lot for you. Elle a fait une très très forte alliance. She made a strong covenant with you. C'est le secret qui te suit. That is the secret tu peux you. Ne pas prier pendant 10 heures. You may not pray for 10 hours. Mais tout ce que tu touches, ça marche. Whatever you touch, c'est ta maman qui est en bas. It's your mother who elle a fait une très forte alliance. She made a strong parce covenant. Que ta mère avait un grand cœur. She have a good heart. Elle a à peu près le même teint comme toi. She have the same skin like you. Hein? Oui, il la voit à côté. I see her near you. Bénis ton fils. Bless your son. Ouvre les portes. Open doors. L'argent. Money. Ne te manque plus. You know life. Touch. 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 Merci Seigneur. Thank you Lord God. 1 Roi 9, le verset 10 jusqu'au verset 14. Nous sommes dans le livre de 1 Roi 9, du verset 10 au 14. Il est écrit, au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Alors, comme Hiram, roi d'Éthiopie, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès et de l'or, autant qu'il en voulut. Le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui donnait Salomon, mais elles ne lui plurent point. Et il dit, quelle ville m'as-tu donné là, mon frère? Et il les appela pays de Kabul, nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Dernier verset. Hiram avait envoyé au roi 120 talents d'or. Amen. Je disais que le thème de ce message, c'est Kaboul. Quand vous lisez bien, le dernier verset parle de talents d'or, mais le premier verset du texte parle de deux maisons bâties. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et donnera ce que ton cœur désire. La première chose que le roi Salomon a fait, il a d'abord fait les délices de l'Éternel. Il a d'abord bâti la maison de l'Éternel avant de venir bâtir sa maison. Mais le ministère a duré 20 ans. Et après 20 ans, Salomon a vu que quelqu'un, quelque part, lui a apporté assistance pendant 20 ans. Il va falloir récompenser cette personne. Il va falloir dire merci à cette personne. La Bible nous dit que les deux maisons, celle de l'Éternel et la maison du roi, leur construction a duré 20 ans. Et la récompense que Salomon donne à Hiram, il lui donne 20 villes. Et pendant que j'étais en train de méditer, même quand je disais à mon patron, j'ai dit, mais Seigneur, je vois 20 villes, je vois 20 ans. Et Dieu me ramène dans le livre de Genèse, Genèse 31. Dieu me dit que, regarde la vie de Jacob. Quand Jacob sort de Beersheba et qu'il va à Mésopotamie chez Laban, il passe 20 ans. Et c'est après les 20 ans qu'il sort avec plein de richesses. Mais quand il s'en va, il fait une rencontre. Et c'est cette rencontre qui sera déterminante pour que Jacob revienne avec les bénédictions. Donc ce matin, je disais, Kaboul, mon salaire.
pas le salaire que Dieu me donne, mais mon salaire. Parce que dans ce texte, il y a deux mots. Le salaire de Dieu, c'est Galilée. Mais le salaire de l'homme qui reçoit et dit, c'est Kaboul. Pourquoi ? Alléluia. Lorsque Salomon donne les villes, Salomon ne donne pas Kaboul. Mais il donne quoi ? Il donne Galilée. Galilée qui veut dire circuit. Or, dans bien souvent, nos bénédictions ne viennent pas de manière à ce que nous puissions les voir et qu'elles nous plaisent. Alléluia. Alléluia. Les bénédictions que Dieu nous donne ne viennent pas de manière à ce que nous puissions les voir avec nos yeux physiques et que nous soyons, comme on dit chez nous à Abidjan, en jaillé, pour que tu puisses les récupérer. Mais Dieu les envoie sous forme de cadeaux voilés. C'est pourquoi, dans le livre de Éphésiens 1, verset 18, il dit quoi ? Que l'Éternel illumine les yeux de ton cœur. Le cadeau de Dieu ne se voit pas avec les yeux physiques, il se voit avec les yeux du cœur. Alléluia. Il se voit avec les yeux du cœur. C'est pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est là que commence mon message. Lorsque Dieu appelle Abraham, son nom est Abraham. Mais parce qu'il obéit, il devient Abraham. Il obéit sans savoir où il va. Aujourd'hui, nous sommes au dernier jour de notre programme. N'est-ce pas? Dieu dit, ce programme est dénommé « ôte mes vieux vêtements ». Nous sommes dans le livre de 1 Roi 9. Mais quand vous prenez Josué 9, les Gabaonites viennent avec quoi? De vieux vêtements pour changer leur vie et avoir une alliance avec Dieu. Alléluia. Les Gabaonites se présentent devant Josué avec de vieux vêtements. Il y a longtemps que tu as apporté une offrande. Il y a longtemps que tu as semé pour la maison de Dieu. Mais aujourd'hui est le jour de la récompense. Qu'est-ce qui va sortir dans ta bouche déterminera ce que tu vas recevoir. Qu'est-ce qui va sortir de ta bouche déterminera ce que tu vas recevoir. Nous connaissons l'Afghanistan, nous connaissons Kaboul. C'est resté en l'état, il n'y a rien de bon. Kaboul veut dire vaurien. Mais dans le vaurien, il y a la lumière si tu acceptes. Parce que la terre de Galilée était la terre de lumière qui va faire sortir Pierre, Jean, qui vont venir faire quoi ? Opérer devant le temple, le paralytique qui était couché depuis près de 40 ans. Jésus dit quoi ? Dieu dit quoi ? Dans le livre de Samuel 16, il dit, l'homme regarde au cœur, mais Dieu regarde aux yeux. Mon patron a dit une parole que j'ai gardée. C'était le dimanche de la fête des mères. Cette parole-là, je l'ai gardée, je l'ai écrite. Il dit, ce que nous ne voulons pas nous fait réussir. Alléluia. Ce que nous ne voulons pas nous fait réussir. Il y a donné le témoignage d'un frère gabonais qui aujourd'hui est devenu ministre dans son pays. Il lui a dit, cette femme-là que tu vois, épouse-la. Le frère dit, mais comment ? Celle-là ? Toi aussi, papa. Celle-là ? Papa, toi aussi, tu n'as pas bien vu. Quand ça ne nous arrange pas, papa, tu n'as pas bien vu. Alléluia. Quand ça ne nous arrange pas, papa, tu n'as pas bien vu. Parce que tu veux que la chose vienne de la manière dont toi tu as conçu dans ton esprit. Lorsqu'on parle du mariage de Ruth, il y avait quoi ? Il y avait un droit de rachat à payer avant qu'elle ne devienne la femme de qui ? De Boaz. Donc, ce que tu veux ne viendra pas de la manière dont toi tu cherches, mais ça viendra de la manière dont l'Éternel le veut. C'est pourquoi il le dit dans le livre de Luc 10, il dit quoi ? Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les yeux, mais cependant, il est au milieu de vous. Abraham met quoi ? Une cruche et un morceau de pain dans la main d'Agar, avait un enfant sur le dos, et elle s'en va. Mais le désert se transforme en un puits pour elle. Ce matin, je viens te dire, là où tu es, quel que soit ce que tu as fait, ça devient victoire pour toi si tu crois et que tu confesses. Donc, je disais que dans le message, Hiram dit, ce que tu m'as donné là n'est pas beau du tout. Mais ce que Dieu nous donne a l'apparence d'être vilain, mais en dessous il y a le trésor. Ce que Dieu nous donne a l'apparence de ne pas être beau, mais en dessous c'est beau. Pourquoi ? Parce que dans Corinthiens, Dieu dit quoi ?
Dieu dit, je prends les choses folles de ce monde pour confondre quoi? Les sages. Je prends les choses viles de ce monde pour confondre les belles. Donc Dieu ne va pas donner ce que tu veux. Il va donner ce qui va glorifier son nom. Parce que ce qui va glorifier son nom ne tiendra pas compte de toi, tes aspirations, mais ça tiendra compte de ce que lui l'a prévu pour toi. Si on me disait, il y a 20 ans en arrière, que je viendrais en France, que j'aurais un enfant qui s'appelle Manassé, j'aurais une maison, j'aurais dit c'est faux. Si on me disait que tu allais venir en France, tu allais prêcher, dire que c'est faux. Le jour où j'ai quitté Abidjan, un ami à moi m'a croisé. Quand je jeûnais, il dit, Dieu m'a montré dans une vision, j'ai vu l'avion, c'était écrit Air France, tu es monté dedans, mais la seule chose que Dieu m'a dit, quand tu vas arriver en Europe, ton père va mourir, mais ne viens pas. Mon père meurt en 2003, je suis en Italie, en 2002, j'ai la carte de séjour, mon père est mort. Aujourd'hui, parce que j'ai obéi, les adultes ne m'ont pas tué, maintenant je domine sur eux. Oui, parce que j'ai obéi. Quand mon père mourait, j'avais le titre de séjour pour aller au pays. Je venais d'Italie, j'avais ma... Sous ce que fait l'Italie, la loi finit aussi. J'avais mon titre de séjour 2 ans. Je pouvais aller à Abidjan. Mais Dieu m'a dit, ne va pas. Et je suis resté. Aujourd'hui, parce que je suis resté, on me voit sur Internet. Donc, Dieu ne va pas venir vers toi. Parce que tu veux une femme. Tu vas faire ton calcul. C'est pas ça, hein, mon frère. Léa a mis au monde 4 enfants, mais les 4 enfants avaient des noms d'une portée prophétique. Même le nom du fils de sa servante, il dit Azer. Or, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez Luc 2, il y a une prophétesse qui s'est sanctifiée pendant près de 40 ans. Quand Jésus vient au temple, c'est elle qui vient après Siméon. Elle s'appelle la prophétesse Anne. Elle a de la tribu d'Azer. Azer qui veut dire le bonheur. Là où Dieu te met, il y a le bonheur forcément. Mais c'est parce que tu n'as pas les yeux pour voir que tu ne prends pas ce bonheur-là. Là où Dieu te met, il y a forcément le bonheur pour toi. Mais c'est parce que tu n'as pas les yeux. Lesquels yeux? Et Éternel, illumine les yeux de mon cœur. La Bible dit quoi? Et il leur ouvrit l'esprit. Et il leur ouvrit les yeux. 2 hommes sont en train d'aller à Emmaüs. Pendant qu'ils marchent et ils parlent de la résurrection sans savoir que le ressuscité est à côté d'eux. Alléluia. Je suis dans Luc 24. 2 hommes sont en train de partir à Emmaüs. Pendant qu'ils parlent, ils se souviennent de l'échec. Mais ils oublient que la résurrection, qui est la victoire, est avec eux. Donc ils s'en vont, ils parlent. Et la résurrection marche avec eux. Ils disent, mais toi, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui est arrivé dans la ville? Il dit, de quoi vous parlez? Oh, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent, c'est toute chose. Même quand tu crois que ce n'est pas possible, je te dis, c'est possible. Les 2 sont en train de marcher. Le symbole de l'alliance. Mais pendant qu'ils marchent, ils ont un seul discours. Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit? Amos dit, est-ce que 2 hommes, Amos 3:3, est-ce que 2 hommes, Amos 3:7 plutôt, est-ce que 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Pourquoi ce monsieur est passé à côté? Parce que lui, il rame. Il s'est vu dans un palais de gloire. Pendant 20 ans, il a donné 780 kilos d'or. Parce que la Bible dit que c'est 120 talents. Ce qui représente 780 kilos d'or. Quand on prend 1 gramme d'or qui fait 50 euros, faites la multiplication. Quand j'ai fait les calculs, ça fait 118 689 000. De quoi changer tous les villages à Djoukourou. C'est pas CFA. Même CFA, c'est beaucoup. Mais c'est 118 millions de dollars que ce monsieur-là a investi. Je ne sais pas ce que tu as investi dans la main de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as investi dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu as investi dans ton travail. Mais je te dis ce matin, ce qui vient à toi ne vient pas à Kaboul, mais ça vient en Galilée. Ce qui vient à toi ne vient pas en Kaboul, mais ça vient en Galilée. C'est ta bouche qui va jeter la récompense. Parce que ce n'est pas Salomon qui a parlé de Galilée, mais c'est Hiram qui dit, ici là, c'est Kaboul. Mon frère, ma soeur, tes vieux vêtements, tu jettes ça, mais dans ta pensée, il y a Kaboul.
Tes vieux vêtements, on va mettre huile d'olive dessus. Mais dans ta pensée, là, il y a Kaboul. Si dans ta pensée, il y a Kaboul, l'action là, ne t'intéresse pas. Sors, va dormir. Si dans ta pensée, il y a Kaboul, l'action là, ne te concerne pas. Ça concerne ceux qui disent, Seigneur, mes vieux vêtements amènent une nouvelle vie dans ma vie. Ce que je dépose aujourd'hui, je dépose ça comme les Gabaonites et j'entre dans l'alliance. Parce que les Gabaonites n'avaient pas droit à l'alliance, mais parce qu'ils sont venus en vêtements déchirés, en vieux vêtements. Le gouverneur de l'époque, Josué, les a reçus et les a introduits dans l'alliance. Donc ce matin, par ton vieux vêtement, tu vas rentrer dans la présence de Dieu. Tu vas rentrer dans la gloire. Tu vas rentrer dans la victoire. Si seulement dans ton esprit, ce n'est pas Kaboul, mais c'est Galilée. Parce que Dieu ne t'a pas donné Kaboul, il t'a donné Galilée. Proverbe dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Deutéronome 32, 35 dit, la parole n'est pas loin de toi. Elle est où? Dans ton cœur. Donc si ton cœur dit que tu as échoué, ta bouche aussi va dire que tu as échoué. Si ton cœur dit que tu as échoué, ta bouche va dire que tu as échoué. Celui qui est venu annoncer la mort de Saül à David a fait quoi? Il a pris la mort sur lui-même. Il a pris la mort là sur lui-même. Quand il a fini de parler, David dit, bon, mais ta bouche a déposé contre toi, non? Remplace la mort là de Saül. Et il est mort. Ce matin, pardon. Ton vêtement qu'on va verser l'huile dessus, ce sont tes pensées négatives. C'est ce à quoi tu ne crois pas. Ton incrédulité, ça fait 20 ans que je prie, ça fait 20 ans que je balaye l'église, ça fait 20 ans que je fais comme ça, mais rien ne marche. Dieu dit, 20 ans, il te récompense. Pourquoi? Parce qu'il dit, les années que les sauterelles ont dévoré, le Gaza m'a dévoré, le Gélec a dévoré. Il dit quoi? Je vous les remplace. Quand vous lisez le livre des psaumes, il y a un seul psaume qui a été écrit par Moïse. Ça commence par Moïse, homme de Dieu. Le psaume 90. Le verset 17 dit, Éternel, rassasie-nous autant de jours que nous avons été humiliés, autant d'années que nous avons vu l'opprobre. Ce matin, c'est le jour de te rassasier. Mais tu vois quoi? Si tu vois une petite table avec beau photo, c'est la table avec beau photo. Mais si tu vois une grande table, il dit quoi? Il dresse une table devant quoi? En face de mes ennemis. Il oint d'huile ma tête. Si tu vois une table grande, une grande maison, un avion avec toi, jet privé, c'est ce que tu vas avoir, mon frère. Moi, je n'aime pas marcher avec ceux qui sont défectifs. Ça m'énerve. Sincèrement. Si quand tu dis non, on va souffrir, je dis, bon, mon frère, pardon, laisse-moi. Parce que ce que tu dis là peut affecter ma foi. Alléluia. C'est Barnabas qui amène Saul de Tarse au milieu des apôtres. Mais chemin faisant, le langage n'est plus le même. Paul a regardé Barnabas et dit, mon copain, c'est vrai, tu m'as amené chez le patron, mais moi où je suis là, je suis bien chez le patron, donc il faut me laisser en paix. On n'a qu'à se séparer. Mais quand ils se sont séparés, qui a écrit le livre de Romains? Paul. Qui a écrit Corinthiens? Paul. Qui a écrit Thessaloniciens, Paul. Qui a écrit Galates, Paul. Donc il y a des gens que tu dois, avec qui tu dois te séparer. Sinon tu n'écriras rien, tu ne verras rien. Ce n'est pas parce que je t'ai amené à l'église que mon comportement doit t'influencer. J'ai été le canal pour t'amener là parce que j'ai cru à mon patron à qui Dieu a donné la grâce. Je le dis toujours. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. La Bible dit, Romains 13, 3, honoré de tels hommes. La Bible dit, 2 rois 8, que Géasi était en train de raconter au roi d'Israël toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Jésus dit dans Jean 10, dans Jean 4, lorsqu'il dit, croyez du moins à cause des œuvres. Même si tu ne crois pas à ma parole, crois du moins à cause des œuvres. Nous sommes témoins de ces œuvres. Quand je venais ici, j'avais quart de 1 an. Je n'avais pas maison. Aujourd'hui, j'ai maison, j'ai quart de 1 an. Cette maison-là, c'est Matthieu. Que Dieu le bénisse.
Au moins, je dois avoir la maison. Quand je remplissais, j'ai dit non, moi je suis seul, j'ai Manassé, je n'ai pas femme, donc je prends une seule chambre. Il m'a appelé, il dit, mais ça ne va pas chez toi. J'ai dit, mais non, Manassé, mais en plus, il n'est pas ici. Quand il vient, il reste à moi. Je suis seul dans la maison. Comment je fais? Il dit, non, il faut remplir ça. Mets deux chambres salon. J'ai mis deux chambres salon. On m'a donné deux chambres salon. Pourquoi? Parce que je marchais avec quelqu'un qui avait une vision que moi, je ne voyais pas. On est assis à l'église ici, là. Mais ce n'est pas tout le monde qui est ton ami et ton frère, hein. Où on est assis, on est beaucoup, hein? Mais la Bible dit quoi? La Bible dit, je suis le Dieu de la distinction. Genèse 37 dit que les fils de Jacob étaient en train de faire quoi? De lier des gerbes. Toutes les gerbes sont tombées. Il y a une qui